quand tu veux. Ok, bon bah j'écoute, j'y vais. Je t'aimais à Zarat. Hein. Mais la barrière, hein, tu vises bien la barrière où il y a le... Oh bah attends, déjà je sais pas conduire. Mais non, merde. Il l'a ouvert. Prends dans la bagnole de flic. Attends. Ou dans le flic. Non, il l'a fermé, la barrière. Putain. Bah attends, parce que là le flic il est un peu trop près. Là. Fais gaffe, il prépare son arme. On reprend plus d'élan. Hein. Bonjour monsieur, je vends des tongs. Veuillez vous arrêter tout plein. Il va voir que c'est ma caisse. Monsieur, veuillez sortir du véhicule les mains en l'air. Hein. Bah j'ai plus de mains. J'ai les mains coupées, je peux pas appuyer sur les boutons. Mais j'ai les mains coupées, je peux plus appuyer sur les boutons. Ah, il va voir que c'est toi, il va te foutre. T'as déjà vu il y a 5 minutes. Attends, comment? Ah, ça y est. Non, mais pas besoin de me taser, hein. C'est pas la peine, hein. Allez, je peux même plus parler, merde. Attends. Vous avez été menotté par la première classe. Oh, bon, hé, c'est Monsieur Sanchez. Oh, bon Dieu. Bonjour, Monsieur Sanchez. Bonjour. Comment allez-vous? Eh, hey, vous m'avez enlevé mon calbut là. Bah, Monsieur Sanchez, comment allez-vous? Il y a 3 voitures de flics qui sont arrivées. Merde. Je crois, quelle célébrité tout ça pour moi, mais je suis une star. Salut, je vends des tongs si ça vous intéresse. Ah, bonjour. Bonjour monsieur Hayon. Ah non, non, je sais pas. Mais non, mais je me suis endormi en fait. Puis d'un coup, je me suis réveillé. T'as pas le permis. Et c'est pas ta voiture, ils vont croire qu'elle est volée. Mais c'est Azarat qui m'a dit de faire ça. Arrête ta gueule. Tu as piégé juste à côté. Je vois, vous êtes toujours pas pour passer votre permis. Mais non, parce qu'en fait, non, le permis, moi, dans ma politique, le permis, c'est juste un bout de papier. En fait, faut payer des milliards juste pour avoir un bout de papier qui nous dit qu'on sait à peu près conduire. Mais même moi, si j'ai le permis, je ne sais pas conduire. Donc pour moi, ça ne me sert à rien. Oh là là, et t'as vu l'explication un peu? Bah oui, mais bon, c'est ma liberté de penser. Oh, monsieur Jordan, comment allez-vous? Je vends des tongs si vous voulez. Alors, monsieur, voilà, j'ai calculé l'amende. J'ai calculé l'amende. L'amende est de 28 000 dollars. Oui, tout à fait, mais. Non? Ah, mais je peux pas les payer. Enfin, je crois pas. Ah non? Bah, j'ai. Ah oui, bah, c'est bien. Au moins, la prison, c'est gratuit. Je vais manger gratis. Monsieur m'a oublié là, pourquoi je suis dehors? Mais revenez! Monsieur Sanchez! Ah, je croyais qu'on m'avait oublié. Je vais voir s'il n'y a pas une voiture de flic d'ouverte. Quoi? Une voiture de flic d'ouverte. Méfiez-vous. Oui. Mais c'est Azarat qui m'a dit c'est de faire Azarat ça. Quoi? Non, ça c'est parce que t'es roux. Parce que t'es roux en fait. Pourquoi? Pourquoi vous faites ce qui se passe? Allô? Je peux vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'arrête? Monsieur, est-ce qu'il y a de la soupe ce soir au dîner? Parce que je... Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Je marche. Et... Oh. Monsieur Sanchez, est-ce qu'il en a trouvé une de chaise? Azarat, vous étiez à bord du véhicule, votre ami vous a gentiment dénoncé. Quoi? J'étais pas à bord du véhicule. Quel véhicule? Vous en étiez même l'instigateur. De quoi?
Instigateur de quoi? Justement, de forcer un barrage et de revenir encore une fois sans permis de conduire. Vous ne conduisez peut-être pas. J'étais même pas là. Bon, hasard. Tu sais que j'ai un esprit fragile. C'est toi qui me... T'es un enfoiré, j'étais même pas là. J'en arrivais, je me fais taser. Mais c'est normal, Je vous avais vu vous cacher derrière la maison en arrivant. Oui, d'accord, parce que je l'ai vu arriver. Je voulais pas croire que ce soit vous, et j'ai reconnu votre collègue et je me suis dit. Mais non, mais vous, il s'est caché parce qu'on voulait juste faire un cache-cache. C'est tout. Il fait nuit, on s'ennuie, on voulait faire un cache-cache. Moi j'aime bien quand il fait nuit, quand il pleut, tout ça, ça gratte de sortir, et par hasard je suis tombé sur votre barrage. Et voilà quoi. Putain, bon, et sinon ce soir à manger, qu'est-ce qu'il y a? Parce que bon, on sait pas d'où, mais ça commence à faire faim. Ça va être cassoulé, les gars, ce soir. Merci beaucoup. Avec des saucisses. Ah oui. Écoutez, merci beaucoup pour cette petite balade touristique. Maintenant. On m'a oublié encore. À chaque fois, c'est pas possible. Mais c'est de ta faute, Azar. Ouais, t'as fait. N'oubliez pas de changer de canal, je n'entends plus ça. Excusez-moi. Mais t'excuses pas, c'est pas grave. C'est de ta faute, hein, killer, si on en est là. Ah non. T'as volé ma voiture pour aller faire ça à barrage? Je pouvais pas voler ta voiture, elle était fermée à clé. Non, je l'avais laissée ouverte. Tu l'avais fermée à clé. Je l'ai sortie du garage, t'es monté dedans direct. Et moi, je vais t'acheter. Par contre, je vais t'acheter des clés. Je te dis qu'elle était fermée. Et t'es allé forcer le barrage. Non, elle était fermée. Je voulais. Mais bon, en tout cas, tu l'as piqué. Je sais pas comment t'as fait, mais tu l'as piqué. C'est toi que je vais piquer. Monsieur Killer Surprise, alors vol de véhicule. Il y a vol de véhicule à rajouter à tout ça? Ah oui, il me l'a volé. Oui. Non, ça par contre, je m'insurge, tout ce que vous voulez après. Mais par contre, le vol de véhicule, c'est lui qui m'a dit tiens, je te file ma voiture. C'est pas pareil. Oui, je vais te filer ma caisse pour aller forcer un barrage. Et puis après, tout à fait. Parce qu'en fait, j'avais pas de permis. Comme j'avais pas de permis, je pouvais pas acheter de voiture. Donc il m'a donné la sienne. Je sais très bien que la police aurait vu mon nom sur la voiture. Tu crois que je vais traiter la bagnole pour que t'ailles forcer un barrage, toi? Bah tout à fait, c'est ce qui s'est passé. Et bien sûr. Non, il me l'a volé. Ça m'a l'air. Il me l'a donné. Vrai du faux. Alors je vais vous donner un kit spécial. C'est une matraque huilée ainsi qu'un peu de vaseline. Ça va pouvoir vous aider pendant votre séjour. Ah merci. Ah c'est gentil ça. Et je vends des tongs aussi. Non, mais pourquoi personne veut mes tongs? Je vous souhaite bon courage, messieurs. Ah merci, ça fait. Je suis sorti de prison il y a 20 minutes. Donc on s'est fait des copains là-bas. Bravo. Ah, vous avez eu ça un peu les stars. Et tout ça pour nous. Bon, en espérant que ça vous serve de leçon, ça va. Passez votre permis de conduire. T'es où, Azarat? Ouais, j'oublierai pas. Là, il me dit passez votre permis de conduire. Putain, c'est pas possible. Ça fait 20 minutes de prison en tout, là, déjà. Oui? Bon, je vais peut-être arrêter de filmer maintenant, non? Oui, je pense que tu peux. Hein. Putain, c'est pas possible. À chaque fois, on se fait griller. Et à chaque fois, je me fais embarquer. J'étais même pas dans la voiture. J'ai rien fait, moi. J'étais juste prêté ma caisse. Voilà. Oui, en plus, t'as menti. Wow, j'essaie de sauver ma peau. Oui, bah, ta peau. Hein. T'es dans le même trou du cul que moi, maintenant. Hein. Bon, allez.